Sabina, ma chérie, je pars au marché et tu as intérêt de finir de faire tes devoirs. Dès que je reviens, tes devoirs sont finis, d'accord? Mais maman... Oh, mais peut-être un autre moment, c'est pas le moment, là. Plus tard, s'il te plaît. Si, Sabina, tu dois les terminer. Après, ça sera trop tard. Je pars au marché, je reviens très vite. Oh... Bon, d'accord. Alors, ça, ouais. Pour lundi. Lire plusieurs fois la dictée 1 et 2. Faire la page 60, numéro 1, 2, 3 et 4. Mathématiques, page 1, 2, 3. À lire et à apprendre par cœur. Grammaire, leçon 1 et 2. Apprendre par cœur et faire la poésie. Le monsieur attaque la fourmi. On ne pourrait jamais terminer tout ça en un jour quand même. C'est juste impossible. Oh, j'ai envie de dormir. Sabina, ta maman vient de te dire que tu dois aller faire tes devoirs. Éteins-moi et va faire tes devoirs, s'il te plaît. Ah ! Qu'est-ce que c'est ? Les enfants. Sabina, va faire tes devoirs, s'il te plaît. Sabina, ce n'est pas l'heure de manger là. Je ne t'ouvrirai pas la porte. Va faire tes devoirs et après je t'ouvrirai. Viens ici, Rocky. Toi, t'as pas une journée comme moi. J'ai que des hallucinations aujourd'hui. C'est vraiment très bizarre. Hein, Ricky? T'es tellement mignon. Au moins, toi, t'es la chose la plus gentille. Enfin, un petit peu de tranquillité. Parce que là... Hein... Alors... Qu'est-ce qui me surplate déjà? Sabina, ce n'est pas l'heure de regarder la télévision. En premier, va faire tes devoirs et après, tu pourras le regarder autant que tu veux.
Sabina, tu nous entends? Nous sommes tes livres et tes crayons, et tes cahiers aussi. Nous t'attendons dans ta chambre. Dépêche-toi, s'il te plaît. Va faire tes devoirs, s'il te plaît. Dépêche-toi, s'il te plaît. Va faire tes devoirs, s'il te plaît. Sabine, dépêche-toi, s'il te plaît. Va faire tes devoirs, s'il te plaît. Dépêche-toi, s'il te plaît. Va faire tes devoirs, s'il te plaît. Sabine.